Et bonjour à tous et à toutes, c'est Nam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes sur Society Rush, écoutez, épisode 3. Alors comme j'ai dit à l'épisode précédent, aujourd'hui, notre objectif ce sera le réacteur. Donc on va en faire un exactement comme Johan, enfin un exo, excusez-moi, je dis tout le temps Johan, parce que bon, voilà. Donc, pour l'instant, il va nous falloir 201 réacteurs casing. Nexo, par pure bonté, m'a filé, il m'en a filé 2-3, donc réacteur... casing, donc il m'en a filé 51. Donc du coup bah c'est un craft un peu chiant, donc on va le faire tout de suite. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite, le temps de faire ça pendant 70 000 fois. Ok, donc déjà j'ai les ressources nécessaires pour en faire pas mal. Donc on va aller dans une table de craft juste ici. Et regardez, donc on va... En fait, petit conseil, donc dans Not an Item, on clique juste ici et le craft est déjà fait. Et ça c'est beau. Ok, donc là... Ah, je savais absolument pas que ça nous en faisait 64. Ah merde. Bah écoutez, je fais ça. On en aura assez pour plus tard. Je pensais aller devoir refaire 70 fois le craft, mais non. Du coup, je pense... Enfin, c'est trop bizarre. Donc, on n'a plus besoin de ça, ni de ça, ni de ça. Donc là, on en a environ 200. Je sais pas, absolument pas. On va demander à notre machine. Donc, réacteur. Ok, 240. On est bon. Alors, ok, donc maintenant, il va nous falloir 13 réacteurs contrôle, donc on va aller chercher. Ok, je vous retrouve dès que j'ai fini, du coup, les 13 réacteurs contrôle. Ok, donc j'ai avancé, je viens de finir les réacteurs contrôle. Ok, bah écoutez, regardez, j'ai terminé, j'ai tous les composants, j'ai pas voulu vous saouler avec les crafts, parce que bon, ça me saoule, ouais, enfin, bon, ça fait partie du jeu, mais faire 15 000 crafts, c'est un peu relou, surtout en vidéo. Donc du coup, bah écoutez, j'ai fini. Donc vous voyez, il y a tout. Et donc, bah écoutez, on a terminé. Ok, bah écoutez, pour le réacteur, il n'y aura pas Johan qui va pouvoir m'aider, donc Nexo. Car du coup, il est pas là de la journée. Donc du coup, bah, je vais suivre un tuto et écoutez, je fais une ellipse le temps de construire le réacteur. Et bah écoutez, je vous retrouve juste après. Ok, donc, et bah écoutez, le réacteur est construit, donc il est juste ici. Donc bah écoutez, il fonctionne. Donc là, on va crafter des Under Energy Conduits. Seulement pour cela, il nous faut un Alloy Smelter. Donc bah écoutez, on va crafter le Alloy Smelter. Donc, j'ai du mal à le dire. Donc du coup, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, nous avons notre Alloy Smelter. Donc du coup, on va l'utiliser. Donc on va déjà la placer à côté du réacteur, donc normalement c'est censé prendre l'électricité, voilà. Ok, donc on a déjà, pardon, c'est pas la bonne machine, donc ici, on va mettre de l'or, de la redstone, pardon, et de la glow. Donc maintenant il va falloir qu'on aille chercher du coup 3 enderpearls, donc ça tombe bien, Nexo a une ferme à Enderman, donc on y va tout de suite. Ok, donc on a exactement tout ce qu'il nous faut. Donc on va placer du coup ici les Energic Alloy et ensuite on va mettre ici les Underpearls. Ok, donc alors normalement on va avoir de quoi crafter ça. Donc j'ai crafté tout ça. Donc on va faire, hop, on va en crafter un. What? Attendez, j'ai peut-être pas crafté la bonne machine. Ok, je suis juste stupide, on peut le dire. Donc je crois que ça fonctionne juste avec un four, tout simplement. Donc on va aller voir un four, et on va regarder. Attention, ok. Putain, mais sérieusement, je suis vraiment nul. Et normalement, c'est censé nous filer. Attention, ouais, putain, enfin. Ok, donc ça fonctionne. Bah écoutez, je vais crafter 2-3 tuyaux, et je vous retrouve après. À tout de suite. Ok, ça y est, j'ai 8 Under Energy, énergie conduit. Donc on va les mettre, et je vais reposer celui-là parce que je l'avais volé avec Johan normalement, si je me trompe pas, hein, normalement. Je lui vole beaucoup de choses tout le temps, faut pas lui dire, mais du coup voilà. Donc voilà, donc déjà notre query est tout à fait alimentée, pas du tout. Donc on va casser ça, et on va, en fait du coup, on va décaler les panneaux solaires. Parce que ceux-là, vous voyez, ils fonctionnent très peu, enfin, ils fonctionnent pas vraiment bien. Oui, c'est français, le premier qui dit non, bah tant pis. Du coup, voilà, donc là, techniquement, ça va se remplir un petit peu plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que cet épisode, je sais pas à qu'est-ce qu'il va ressembler, mais moi, je vais vous annoncer déjà qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode. Je pense que pour le prochain épisode, on va essayer de se réintéresser à Steve Cart. Parce que vous voyez,
J'ai énormément de bois. Donc voilà. Mais soit on va faire Steve Kart. Donc c'est amplement possible. Hein. Ou alors on va du coup on va faire des cadrans solaires. Et vous voyez, ici j'ai fait les tiers 4. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Bon, du coup c'est très très cool. Mais voilà. Je pense aussi que pour les tuyaux, il y a aussi beaucoup besoin de. Comment ça s'appelle? De Underpearl, voilà. Donc je pense que je vais faire exactement comme Johan. Je vais créer ça. Donc un Powered Spawner. Et puis je verrai comment ça fonctionne. Hein. J'en sais absolument rien. Ok, donc maintenant, bon bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Bah écoutez, ce fut un très bon épisode. J'ai vu pas mal de retours positifs. Je vous encourage à aussi nous faire des dons histoire de payer le serveur parce que bon c'est pas gratuit. Et du coup voilà, donc tout est dans la description si vous avez envie de nous faire 1, 2, 3, 4, 20 euros de dons. Si l'envie y est, bien sûr, je vous oblige absolument pas. Tout est via PayPal hein, pour information. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Hein. On se retrouve au prochain épisode. C'était Nem. Ciao.